Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h12. Laissez-nous bosser, c'est le titre de ce livre de Lionel Roch, patron de PME. Livre que je monte à l'écran hein, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou via les applications ou sur notre site internet ou YouTube. Vous avez en fait l'image. Lionel Roch est avec nous, donc président fondateur de Franco-European. C'est ça, c'est un groupe d'événementiel, communication, production de fiction et restauration. Rebonjour Lionel Roch. Bonjour. Bon, qu'est-ce que c'est un livre qui est coécrit avec Isabelle Lasserre hein, du Figaro. Je le cite au passage. Qu'est-ce que vous dénoncez justement quand vous dites laissez-nous bosser. En fait, j'ai commencé à écrire au président de la République en juin 2023 ouais. Une lettre très respectueuse pour lui dire qu'il fallait vraiment laisser bosser les entreprises et leurs salariés et à l'intérieur des entreprises, les PME. Le président de la République est très start-up nation, grand groupe, entreprise étrangère qui va investir en France. Et on n'a jamais vu qu'il avait beaucoup d'intérêt pour les PME. Ouais. Donc je lui disais, attention, c'est en train de craquer. Ouais. Les classes moyennes dont il parle beaucoup, en fait, ce sont nos salariés. Ouais. Et ils sont en train d'être fortement sous tension, parce que continuellement, on entend parler du droit à la paresse, qu'il ne faut pas travailler, ce genre de choses. Et c'est en train de se tendre, et si les classes moyennes lâchent, si les PME lâchent, là, le chaos va s'installer très durablement. C'était juste ça. Bon, j'en ai fait une lettre, il ne m'a pas répondu. Vous n'avez pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. Ce que je trouve, d'ailleurs, moyennement correct. Avant, l'Élysée répondait, alors pas Emmanuel Macron, mais un des nombreux conseillers aurait pu me répondre. Ouais. Quand un entrepreneur prend le temps et la peine d'écrire une lettre très respectueuse, évidemment, parce qu'on est des gens respectueux, je trouve que ça mérite d'avoir une réponse. Ouais. Les éditions de l'Observatoire, derrière, m'ont contacté. Ouais. On en a fait un livre, et puis après, je sais pas, j'en ferai un film, ou voilà, jusqu'à ce que j'aurai une réponse. Bon, mais alors, c'est quoi le problème, Lionel Roch, précisément? Qu'est-ce qui ne va pas quand vous dites « laissez-nous bosser » Là, vous avez dit « oui, on encourage peut-être la paresse pour certains, etc. » Mais il y a autre chose derrière. C'est quoi? Ce sont les charges, c'est l'image de l'entreprise. Vous parlez de lois impossibles à appliquer. Hein, j'ai lu votre livre, là. En fait, il y a trois problèmes. Il y a un problème qui est la bureaucratie. Ouais. Elle est folle, et je donne pas mal d'exemples dans le livre, j'ai essayé d'en faire quelque chose de plutôt plaisant à lire, donc même de mettre un peu de sourire dans la façon de le raconter, mais à vivre tous les jours, le sourire, c'est compliqué. Ouais. On a un deuxième problème, c'est que nos salariés ne gagnent pas assez d'argent et nous coûtent trop cher. Ouais. Et ça n'est pas vrai. Il faut comprendre, un patron, c'est pas un méchant monsieur ou une méchante dame. C'est quelqu'un qui, a priori, va essayer de payer au mieux, comme je pense que vous le faites sur Sud Radio, au mieux de ce que vous pouvez, vos salariés. Ouais. Sauf que, il y a un moment où on arrive à une limite. Et il faut impérativement baisser les charges salariales et les cotisations patronales. Ouais. Une fois que je dis ça, tout le monde va dire, oui, mais c'est pas si facile que ça, c'est peut-être pas si facile, mais de toute façon, ils n'auront pas le choix. Ouais. Il y a un moment, vous pouvez pas avoir de moins en moins de salariés, si vous voulez, qui financent le modèle social. Ouais. Parce que ça veut dire que les rares qui bossent vont être de plus en plus taxés. Donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais. Et la troisième chose, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que les Français, contrairement à ce que pensent les politiques, aiment bien les entreprises, surtout les PME, et aiment bien les entrepreneurs. Mais en revanche, les politiques, les hauts fonctionnaires et les médias n'aiment pas les entrepreneurs. Ouais. Et donc, vous avez un espèce d'entrepreneur bashing continuellement, et vous avez un nouveau truc qui est en train d'arriver depuis 4-5 ans, qui est le salariat bashing. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ringard d'être salarié. Ouais.
faut être auto-entrepreneur, faut être start-upper, faut être ces choses-là, mais c'est ringard d'être salarié. Or, non, salarié, si vous voulez, en CDI, d'abord, ils auront les droits à la retraite, et puis, on peut accompagner. Moi, j'ai fait faire des très très belles carrières à mes salariés, et on est monté ensemble. C'est beau, l'entreprise. Oui, c'est vrai. Est-ce que, c'est vrai, Lionel, j'en parlais l'autre jour, il y a un problème. C'est vrai que les salariés aujourd'hui, et vous le dites, les entreprises voudraient payer un peu mieux quand c'est possible leurs salariés, et que les salariés eux-mêmes ne se rendent pas compte de tout ce qui est déboursé par une entreprise. Et il y a toutes les charges. Et aujourd'hui, par exemple, avec le prélèvement à la source, vous avez beaucoup de salariés qui disent « Ah ben je gagne tout net ». C'est-à-dire qu'ils retirent même les impôts. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas deux fiches de salaire, une par tout ce qui est versé par l'entreprise, voilà, et puis ensuite, tout ce qui est prélevé par l'État ou l'ensemble des prestataires sociaux, quoi. Mais c'est gentil de dire ça parce que ça fait... C'est pas gentil, c'est réaliste, Non, c'est pas ça, c'est que depuis le prélèvement à la source, j'ai pas entendu beaucoup d'entrepreneurs se rendre compte qu'effectivement, nos salariés parlaient en net, et qu'à bientôt, ils allaient parler en net de net. Et donc, ça veut dire que ça va même plus loin. Quand les impôts augmentent, ça veut dire qu'on a transféré l'impopularité de l'impôt à l'employeur. Alors on n'est pas rien. Et effectivement, sauf que vous savez, les salariés ne se rendent pas compte de combien coûte le salaire au final, mais en même temps, les employeurs ne se rendent pas compte de combien le salarié touche au final. Et c'est l'énorme incompréhension. Mais de toute façon, nos salariés ne gagnent pas assez. Il faut... Et les salariés en France ne gagnent pas assez. Ce qui pose d'ailleurs tous les problèmes de l'agriculture, par exemple, pourquoi l'agriculteur au final n'est pas assez payé? Parce que ce pays compense par des bas prix. Et pour une bonne raison, parce que les salariés n'ont pas d'argent. Alors voilà, merci en tout cas Lionel Roch, ce livre, Laissez-nous bosser. Et donc, je relance l'appel à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut vous répondre? Vous avez envoyé un courrier au président de la République. Emmanuel Macron, répondez à un patron qui essaie de faire vivre. Vous avez reçu depuis? Non, pas du tout. Mais en revanche, j'ai envoyé la semaine dernière le livre à Gabriel Attal, donc on verra. Gabriel Attal, répondez donc à Lionel Roch. Merci d'avoir été avec nous ce matin, en tout cas en direct sur Sud Radio. Il est 7h19. Le grand matin.